Bonjour, je suis élève, enchanté, soyez la bienvenue. Madame Messel, directeur de l'école. Oui, je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Bienvenue à l'honneur des amitiés. Caroline Désir, enchantée, bienvenue. On est heureux de vous accueillir, vraiment. Et donc nous sommes ici en plus dans une école qui a... Oui. Comme vous l'a dit Madame la Ministre, c'est une école qui traditionnellement, c'est classe d'ASPA. Je veux dire que... Dans ces 20 000 personnes, on estime qu'il y a environ 42% d'enfants. Donc ils ont un bon niveau de scolarité, mais une grosse difficulté sur la langue parce que... ...certifié ou qui correspond au standard. Ça ne sera pas chacun qui décide quelque chose de le rajouter. Ça sera mis à disposition très rapidement. Alors, merci. Voilà. Depuis l'Ukraine, en fait. Non, ils sont bien, on peut c'est pour ça que nous allons nous autoriser, c'est facile. Bonjour. 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 On est de nouveau là. Oui. Mais cette fois-ci, on vous amène Madame la Commissaire européenne. Enchantée. Moi, c'est Kaota. En tout cas, il y a des enfants qui se débrouillent très bien, qui ont appris, mais des nouveaux, j'aimerais les accueillir comme les premiers ont été accueillis. Donc, ils étaient tous déjà scolarisés dans leur... Non, mais non, ils viennent... Il y en a qui y arrivent vraiment vite. Roumain, Roumanie, scolarisé. Oui, voilà, lui il a été scolarisé, ça se voit directement. Perdu. C'est une école, ça va s'adapter à une classe, à des règles. Ils apprennent à lire, ils aiment les princesses, ils sont très attachants. Quand il y a un professeur, un médecin, je ne sais pas. En immersion vraiment dans leur classe de niveau, comme ça elle peut raccrocher. Jusqu'à espérer arriver au CEB comme avec Alexandra cette année.